同志の伝承。遥かな神話時代、世界が闇に覆われると、いずこより現れ光を取り戻した。時代は移ろうとも、世が乱れるたびに人々は伝承を語り、救いを願う。そのたびに同志は姿を現し、闇を振り払ったという。しかし平和が訪れると、同志は姿を消した。彼らはどこへ？その答えを知る者はいなかった。いつしか人々の記憶から伝承の中へと消えていった。世界を再び覆わんとしていた。同志の名が再び語られ始めた。だが、未だ同志は姿を見せなかった。Donc, salut à tous. Aujourd'hui, un nouveau jeu. Un jeu que... Bon sang, qu'est-ce que j'ai pu attendre ce jeu? Qu'est-ce que j'ai voulu y jouer? J'ai jamais pu. Et ça y est, je peux enfin... J'ai enfin mis plus ou moins la main dessus. À vrai dire, ce jeu m'a été offert. Donc, il s'agit de Tales of Zestiria, ou Zestiria, je sais pas. Le mec qui connaît pas le titre. Zestiria, je crois. Voilà, qui m'a été offert donc par un ami, que je remercie bien évidemment. C'est super, c'est vraiment génial, je suis très content. Donc voilà, et j'ai enfin réussi à régler hein, donc l'application, on va dire, de capture d'image plus ou moins, pour rendre ça fluide. Donc voilà, on va pouvoir vivre l'aventure ensemble. Allez. ける英雄、同志の壁画だ。ようやく見つけた。スレイ、僕はハズレだったよ。ミクリオ、先を越されたね、今回は。やっぱりアスガード時代以前には同志は身近にいたんだよ。そう断じるのは早計じゃないか。何よりまだこの遺跡がアスガード以前のものか確証はないんだ。模造かもしれない。この規模の遺跡で様式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか。ミクリオ、あれって遺跡探検はここまでだ。スレイ、スレイ、こっ、もう、c'est pourquoi il s'est arrêté。完
間一発。頼むよ、早く上げてくれ。総流放て、ツインフロースレイ、とっさの判断だったけどうまくいったろ。これで貸し借りなしだ。これは地下にも遺跡があったなんて。落ちたのに感謝だな。まったく。それより戻る方法を見つけないと。あ、うん。Voilà. Bon, du coup, je me tais, hein, bien évidemment, pendant les extraits, pour vous laisser apprécier. Hein. Donc, je suis au début, autant dire que je vais pas beaucoup parler, parce que, bon, forcément, c'est un RPG, je suis dans les RPG au début, il y a beaucoup de scènes cinématiques. D'autant que, bon, alors j'ai déjà fait hein, le début, j'ai joué, parce que, bon, bah, j'arrive pas à faire la capture. Donc, je connais déjà. Donc, je continue jusqu'à si j'arrive là où j'en suis. Dans mon autre partie. Fouille pour aujourd'hui. Ouais, je vais quand même aller assez vite. Ouais, ça pas tellement de sauvegarde pour l'instant. Donc voilà, Tales of Zestiria. Vraiment, c'est longtemps que je voulais jouer. Et je suis pas déçu hein, pour l'instant. Même si beaucoup de gens disent du mal. さっきも相当だったけど石板あったし気にしてらんないだろ。ああ、そうですか。誰か倒れている。あのさ、ミクリオ、あれ人間だ。まさか。待て。人間には関わらない方がいい。ほっとけない。まだ生きてんだから。わかった。僕も手伝う。とにかく、もっとあたりを調べよう。うん。Voilà, oui, donc tu...Beaucoup de gens disent du mal, apparemment. Enfin, il n'est pas une très bonne réputation. Bon, peut-être que je comprendrai un peu mieux plus tard, mais pour l'instant, moi je le trouve très bien. Je suis parfaitement séduit. Mais surtout, j'aime beaucoup le héros en fait. Je le trouve vraiment classe. Je trouve qu'il pète la classe. J'aime beaucoup son caractère aussi et tout ça. どうかした？うわっ！こんなでかい雲初めて見た。ぼーっとしないで、スレイ構えて。うん、行くぞ。逃がさない。これどうだ？Bon, après il y a le système de combat qui est un peu changé, j'ai l'impression. Je sais pas trop, j'ai pas énormément joué au Tales of. ヒョウマ？そうじゃ、
氷魔じゃ。汚れが生んだ恐ろしい魔物じゃ。奴らを倒せるのは特別なものだけが操る浄化の力のみ。二人とも氷魔に出会ったらすぐに逃げるのじゃ。忘れてはならんぞ。我らに氷魔を退治することはできないのじゃ。よいな。浄化の力がないと氷魔は倒せない。今は追い払えただけで満足しないと。ならなおさらだな。ん？急いで彼女を助けなきゃ。あんなのがうろついてんだから。Ah oui, donc comme je disais, j'ai pas joué énormément au Tales of... Enfin, j'en ai joué à pas mal, mais au final j'ai fini que Tales of Grace F sur PS3. Voilà. À chaque fois que j'ai joué, je suis allé jusqu'à la fin, mais j'ai pas fini. Un petit peu con, mais bon. Et ouais, du coup, bon, j'ai l'impression que le système de combat a légèrement changé. Il me semble qu'avant on pouvait se balader librement, mais à chaque fois. Alors que là, je dois appuyer sur LT. Mais je suis pas sûr à 100% non plus. Et ça fait longtemps que j'ai pas touché un appel ça. Bon, après, c'est pareil, donc tiens, mince. La touche d'attaque, donc on attaque tout simplement avec B pour faire les attaques simples, et après il y a les arts. Ce sont les attaques un peu plus spéciales que l'on fait avec A. Bon, pour l'instant j'en ai pas au début du jeu, mais après au fil du jeu on aura de plus en plus, et pour en assigner 5, un avec juste A, un avec puis un dans chaque direction quoi, haut, bas, gauche, droite. Mon dieu. La défense, donc voilà, la garde. On peut changer de cible avec RB. Enfin, faut que je regarde la manette pour savoir comment ça s'appelle. Quoi. Là. Voilà. Bon, personnellement, j'adore pas. Voilà, j'aime bien moi la série des Tales of. Ça change de Final Fantasy. C'est tout le système de combat est vraiment très merde. Voilà, très très bien. C'est dynamique, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Bon, le système, enfin, ça date déjà depuis la Super NES, quoi. Le système de combat dynamique comme ça. Bon, et merde, faut que j'arrête d'appuyer là-dessus. Mais... Bon, c'est ce qui fait la particularité du jeu, quoi, enfin de la série. C'est vraiment son système de combat. C'est assez exceptionnel. Que certains RPG ont repris. Eternal Sonata notamment. Qui est un très bon jeu du coup. C'est très bien que j'ai pas fini. Je suis allé jusqu'à la fin. Comme d'hab. Voilà. En tout cas, ouais, vraiment, moi j'aime bien. Pour l'instant, l'ambiance du jeu m'intéresse beaucoup. J'aime bien. Ce côté un peu. Archéologie, on va dire. Merde. Arrête d'appuyer sur la carte. Je suis la carte. Mais il a été critiqué pour la caméra aussi. Mais parce que contrairement. Ouais, voilà, contrairement aux anciens Tales of, il me semble, quand on activait un combat, bah, le combat il se passait sur une carte de combat. Alors que là, ça se passe directement là où est-ce qu'on est. Du
coup, des fois, bon, quand t'es dans un endroit un peu clos, un peu fermé, la caméra est un petit peu du mal. Non. 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 Ah oui. Voilà, du coup, je suis jamais allé. Je vais avoir 10 000 pages de... Voilà. Là, comme j'expliquais par rapport aux arcs. Avec rien du tout. Enfin, sans direction. Et puis, avec chaque direction. Après, il y a les... Ça, c'est plus les attaques classiques. Bon, là. Et du coup, bon, on va prendre en débloc aussi. Pour faire différents enchaînements. On peut jouer à plusieurs à ce jeu aussi. On peut jouer jusqu'à 4, normalement. Si je dis pas de bêtises. Normalement, ça a toujours plus ou moins été comme ça. La particularité de celui-là pour les équipements, c'est ça. C'est les capacités liées aux équipements. Et du coup, on s'amuser un petit peu avec les couleurs pour avoir des bonus, on va dire. Moi, je connais pas trop encore. Je pense que quand même au début du jeu. Ouais. Voilà, ouais. Attendez. Voilà, donc là, il y a un talent un peu particulier. Donc, avec le temps, et ben, ouais, ben, le mec, du coup, il fait un peu de la bouffe de temps en temps et il en prépare un donc là. Il donnera des bonus ou remet de la vie et trucs dans le genre. Charge offensif, oui, ça, je l'active. Ça, bon, j'ai pas envie d'y activer. J'ai pas regardé dans ma partie, j'avais débloqué d'autres trucs. Et tu peux laisser la salle d'action. D'accord. J'avais même pas lu. Charge de lien, d'accord. En gros, ça fait tout en chargeant. Après, on prend ces trucs de combat. J'ai pas envie d'en mettre. C'est de la triche. On peut changer l'apparence du héros aussi. Ouais, bon, personnellement, j'aime pas du tout cette coupe. La classique est très très bien. Batman, là, j'ai rien. Ça lui va un petit peu mieux par contre. Avec le petit Jaden et tout ça, ça fait bien, ça fait un peu rondine. Mais il est très bien le classique. Hein. Ah, bref, il y a les tactiques. Voilà. Alors on continue. Porte. Nani nani. Boku ga azukatte oku. Muchuu ni natta ra tomaranai kara ne. Buji modoretara chanto kaesu sa. Onegai shimasu. Le doublage japonais hein. C'est super. Sont excellents du coup. Ça fait toujours plaisir quoi, de pouvoir choisir sa langue. Enfin, de pouvoir choisir la langue par les personnages. Oui, très souvent aussi dans Tales of, les personnages vont parler entre eux et tout, c'est dynamique. On n'a pas toujours le temps de lire, hein, surtout pendant les combats. Ou alors il y a des petites scénettes qu'on verra plus tard. Sont bien spécifiques à la série. Dodai. Y'a pas muri da. Bouné. Odorokaseru na yo. Warui warui. Tiens, moi je trouve ça magnifique, hein, personnellement. Regardez, c'est bon. Là, c'est pas les derniers graphismes et tout ça, mais enfin l'architecture, tout ça. Les couleurs, l'ambiance. Ça, très très beau. Tout à fait charmant. Je m'en fous d'avoir les graphismes réalistes ou quoi.
Ce que je veux, c'est surtout de la créativité. Si bien sûr, il y a un escalier qui monte vers le haut. Bon. Tu aurais cru qu'on pouvait marcher dans les airs ici. On voit le petit tas de sable. Oui, mais par contre, il y a un truc aussi que je trouve. Ah, attendez. Ah, examine. Ça fait des PA. Donc, un truc que je trouve un peu rigolo, c'est la. Non, démarche quand il marche. Ouh, la démarche quand il marche. Je sais pas, ça fait bizarre, je trouve. Je trouve qu'il marche bizarrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah, ah, tiens, les petites sirènes que je parlais tout à l'heure. すごいよ、この橋。どうやったんだろう。こんなもの人間の技術じゃ作り出せないはずだ。ってことは、この橋だけは神代の時代ぐらい古いものってことか。どうかな。いずれにせよ、僕たちのようなものに頼んで力を借りたのは間違いないだろう。そこまでしてあっち側に人を入れたくなかったんだ。この先は伊豆地に繋がってる。聖域を守るためには当然とも言ってね。 昔神殿へ祈りに訪れた人々も断崖を渡れないと思い込まされたんだろうな。さっきまでの僕たちのような。けどよく気づいたね、スレイ。君の直感にも感心させられるよ。お？ごくごく稀にね。褒めてくれたと思ったらこれだ。Voilà, donc ça c'est très spécifique à la série des Tales of. Ces petites scénettes qui montrent un peu les liens entre les personnages et tout ça. Ils sont entièrement doublés hein, apparemment. C'est un énorme boulot pour les comédiens. S'il y en a, il y a vraiment énormément de scènes comme ça. やっぱり考え直そう。スレイ、大丈夫？あれ、私は確か森で。あれ、 大丈夫そうだ。ありがとう。心配をかけたようだ。君は？名前。名前。そう、俺はスレイ。スレイ。うん、よろしく。 スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都から来たんだ。どうだろう。うーん、俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それはいいのか。何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。 さんだけ。だいたい名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は私の名を尋ねないのか。事情があるんだろ。でも悪い奴には見えないよ。
重ねて感謝する。じいじの雷、覚悟しておくんだね。うん。何か？うん、なんでもない。とにかくあっちだ。さあ、行こう。蒸し返すつもりはないけど、目を離さないようにね。うん、ああ、彼女、困ってる状況じゃなきゃいいな。いつもながら甘い。ああ、無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。うん、神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶでしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは。幼い頃に、それは何度も。だっと、俺の村はここから少し行ったところだから行こうか。了解した。Et voilà. Oh, vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Personnellement, je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Y'a pas un chien. Quand je jouais la première fois, bah, voilà, je m'étais posé, puis j'admire un peu les décors. C'est pas les derniers les graphismes beaux ou quoi, mais ils font de belles choses. Même si les textures, l'herbe et tout là, elle est recyclée. C'est pas ça qui compte, quoi. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils en font, quoi. Ce qu'ils en font, quoi. Je crois que j'ai dit énormément de fois quoi. Bref. Alors, ces herbes, je sais pas du coup, j'ai pas encore osé en utiliser. Ça augmente la défense de 2 points. Alors, est-ce que c'est pour toujours ou est-ce que c'est un truc. Juste pour un combat, quoi, pour être un petit peu plus résistant, je sais pas. J'ai pas encore utilisé, du coup. Je vous dis, ouais, je viens pour plus tard. Allez, bref, on va continuer, on va aller assez vite. Et je pourrais reprendre ma partie. Saki, 子供の頃に読んだって。大人も大勢読んでいるよ。私が早熟だったのだろう。なんだ、そっか。うん、素晴らしい本だからね。ああ、和んじゃって。どうなることやら。ここが俺の村、伊豆地だ。カムランではなく伊豆地。やはり噂は嘘だったか。すごい角、伝説に聞くドラゴンのようだ。ドラゴンっておとぎ話の。君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だろう。大丈夫、友達だから。小さい頃は 4,5 回吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん、時々ミルクを分けてもらって村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ、すごく。Le village. J'aime vraiment bien cette impression de gigantisme. Ça sublime.
じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？なんでもない。忘れて。君は面白い人だな。あれが俺ん家。先行って休んでてよ。俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど。ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それでは粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオ、じいじにうまく話してくれてるかな。 Et voilà, c'est la fin de cette première partie donc de ce nouveau let's play sur Tales of Zestiria ou Zestiria. En vrai, je crois le titre. Je suis toujours un peu confus. Bon voilà, donc l'apparition sera bien plus régulière que pour les Eternal Darkness. Enfin, pas plus régulière, mais il y en aura plus. Un peu plus souvent, car ben, je vais forcément y jouer beaucoup plus à celui-là. Enfin, j'ai très envie d'y jouer. Donc voilà, je joue un peu tous les jours, j'enregistrerai et je posterai, je sais pas, 2, 3, voire 4 vidéo dans la semaine. Au début ça ira un peu vite hein, parce que là je connais déjà le début, et après bon je mettrai un peu plus de temps quand même parce que bon, je vais prendre mon temps, je vais visiter tout ça. Bon voilà, du coup moi, je vous dis à la prochaine et pour la suite des aventures. Allez, salut.